YouTube, comment vas-tu? On se retrouve sur Crossfoot. Aujourd'hui, je ne suis ni sur mon compte perso, ni sur le compte promo. Je suis sur le compte de No Way, un abonné qui m'a envoyé une demande pour lui faire un véhicule, car nous sommes dans le Let's Build des abonnés qui reprend un petit peu. On verra bien si on en fait plusieurs ou pas. En tout cas, les inscriptions sont de nouveau ouvertes. Tout est dans la description pour m'envoyer vos demandes et vos requêtes par rapport au véhicule. Alors aujourd'hui, No Way, il souhaiterait que je lui construise un véhicule avec la cabine Griffon qu'il a dû gagner dans l'ancienne Season Pass. Malheureusement, j'ai regardé attentivement son stockage. Alors, il a 283 de monnaie, mais surtout, regardez. Il souhaiterait une cabine Griffon parce qu'il m'explique que ses builds ne tiennent pas la route quand il construit avec cette cabine, mais c'est normal puisque la cabine est beaucoup trop avancée en jeu par rapport à son stade où il en est aujourd'hui, puisque regardez, il n'est pas encore niveau 20 en ingénieur. Il a fait seulement 289 batailles et donc voilà, il est beaucoup trop bas en niveau pour avoir un stockage efficace avec, qui va avec la cabine Griffon qui à elle seule fait déjà 2400 de puissance de power score. Donc malheureusement, vu les armes qu'il a, il pourra rien faire avec la cabine Griffon parce qu'il a très peu d'armes violettes, il a que ça. Et ça, ça fait pas un combo suffisant pour tout mettre ensemble, pour pouvoir faire un véhicule qui va être au-delà des 10 kps avec cette cabine-là, forcément. Parce que vous pouvez pas être aussi haut en PS, en puissance de score, avec seulement la cabine et mettre des armes rares ou bleu ciel dessus. Vous aurez beaucoup trop de PS avec pas assez de puissance de frappe. Donc malheureusement, cette cabine Griffon, ça va être très compliqué d'utiliser. Mais il a le pack favorite et il a quelques petites armes qu'on pourrait utiliser, comme par exemple les pyralides avec le Wasp, et comme par exemple ces 4 pierceurs. Donc on va se rediriger, parce qu'en plus regardez au niveau des roues, il a pas de roues violettes non plus. Hein. Oh par contre il a des lunars, trop bien. Il a des lunars avec le CK, il a des petites roues aussi, des roues de course, il a 4 roues de course. Donc voilà, on va plus et 4 roues d'APC. Donc éventuellement là c'est vrai qu'il y a suffisamment de roues pour faire un build à 10K. Mais on va voir, on va rester nous sur 4 ou 6 roues maximum et on va faire un build certainement avec cette favorite et les pierceurs. Je pense qu'on va partir avec les pierceurs, hein. Ça va être le mieux. Allez, c'est parti!
Alors, j'ai eu des difficultés puisqu'on est niveau 60, on est niveau 18, on a que 68 pièces au lieu de 80, et forcément, il n'est pas allé dans toutes les factions, il n'est pas allé dans la faction Scavenger, qui est quand même super importante parce qu'il y a des grandes pièces, des grosses pièces, quand on n'a pas 80 pièces pour pouvoir couvrir tout le véhicule avec les pare-chocs, la lame de train, donc ce sera quand même super important d'aller dans cette faction-là, parce que là, ça manquait un petit peu de pièces. Et surtout de nombre de pièces. Donc on va voir le véhicule que j'ai réussi à faire. Vous allez voir que c'est un petit peu original. Je sais pas du tout si ça va être fonctionnel. Donc voici un petit peu la construction. Vous allez voir que c'est assez spécial. Pourquoi ? Parce que déjà on pose nos pierceurs sur ces pièces là. Donc on les pose pas sur le châssis. On les pose pas sur la cabine. Donc c'est plus fragile. Donc il va falloir les protéger. Parce que je vous rappelle que si les armes sont accrochées à la cabine, vous pouvez pas. Vous voyez que si je fais sauter cette pièce, et ben l'arme tombe. Tandis que si l'arme est sur la cabine, elle reste jusqu'au bout du combat. Ensuite, hop, on va mettre des plaques comme ça parce que j'avais pas autre chose malheureusement. Et là, on va mettre un châssis. Voilà, donc au châssis est accroché ces deux plaques-là. Derrière, on a d'autres châssis qui vont faire l'arrière du véhicule. Et là, on a l'avant du véhicule. Et donc, on a nos pierceurs qui sont un petit peu, vous voyez, les armes sont planquées et sont cachées par les châssis. Première chose, donc ça marche quand même. Ici, on va monter en hauteur. Donc, vous voyez que ça, c'est des pièces encore dans le, sur lesquelles les balles passent au travers. Très important. Et là, encore la même chose. Pourquoi ? Parce qu'on va mettre les perceurs ici. Et du coup, on se retrouve avec les 4 perceurs en façade sur un véhicule qui est quand même assez compact. Donc au niveau esthétique, c'est quand même plutôt cool. Maintenant, il va falloir voir si c'est fonctionnel. Et surtout, il faudra changer les pièces petit à petit. C'est un G numéro 1, un premier G du véhicule qui sera améliorable selon les niveaux qu'on prendra et les pièces qu'on débloquera. On va mettre un moteur qui prend pas de points ici. Comment il s'appelle, le hardcore, hein, c'est ça. Et un bidon pour prendre de l'essence. Ensuite, on va mettre notre cabine, donc on a choisi la favorite, puisque quand la charge va être pleine, une fois que nous on aura tiré toutes nos balles, qu'on va être en surchauffe, on pourra appuyer sur la perque de la cabine pour revenir à zéro et retirer à fond, ce qui quand même va être très costaud avec les 4 perceurs. Ensuite, on met le générateur derrière la cabine, alors vous allez voir que le point faible c'est quand même l'arrière de la cabine, l'arrière du véhicule, parce qu'il me manquait des pièces pour le finir, faudra, quand il gagnera plus de pièces, renforcer un petit peu plus l'arrière. Donc jusqu'ici, tout va bien, on a notre véhicule qui est sur roue, vous voyez qu'il est quand même assez compact, avec 4 roues directionnelles. On va mettre des petites protections des deux côtés qui sont pas grand chose. Mais on va rajouter des pare-chocs sur l'arrière histoire de protéger un peu plus et de protéger aussi le générateur si on se fait tirer sur les côtés. Là on met des protections assez costauds quand même. Et vous voyez que j'écarte bien les protections sur l'extérieur parce qu'on va passer autour des pierceurs. Ici ça protège cette pièce là. Voilà, ça pètera avant si on se fait tirer par le côté, j'espère. Parce que sinon c'est l'arme qui saute. Ensuite... Hop, on fait pareil de l'autre côté avec la partie basse. Et du coup, voilà l'arrière, voilà le simple et unique arrière que j'ai pu faire sur ce véhicule. C'est mieux que rien, hein, vous allez me dire. Et ici, hop, on met le radiateur, on met une grosse pièce ici. Et là, on met des grandes ailes. Vous voyez que ça rejoint bien le véhicule. Ici, alors pas grand chose, hein, malheureusement. On a que ça à mettre en grandes pièces et vous voyez que ça dépasse un peu. Ah, je pourrais peut-être avancer les roues. Non, je pense pas que je peux les avancer. Ensuite, on met des protections supplémentaires pour protéger ces plaques-là qui tiennent les armes. Et ensuite, on met des protections à l'avant, encore une fois, pour protéger ces plaques. Des pare-chocs pour protéger les châssis qui sont devant les armes et qui tiennent les roues. Ici, encore des pièces supplémentaires. Là, on met encore des pare-chocs de protection. Et là, j'ai plus grand-chose, donc j'ai mis ce truc-là qui rentre parfaitement. Même si c'est pas le plus costaud. Et devant, ça m'a permis de mettre ça. On est à 61 pièces sur 62. J'ai rajouté ça pour un petit peu de décoration et aussi parce que ça fait des dégâts. Et ça se fond parfaitement. Résultat, on a un véhicule qui ressemble à ça. On est donc à 6600 PS, 1150 points de vie. Avec 4 perceurs, je pense qu'on n'est pas trop mal à 6600 PS. Maintenant, il faut juste bien le jouer, ce qui est ça, est une autre histoire. En tout cas, 14 points d'énergie sur 14, 8200 kg sur 11, 1098 km/h, 4 roues directionnelles. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller essayer ça en combat, voir si ça tient la route. En tout cas, au niveau des dégâts, c'est quand même pas mal du tout. Alors, comment on est au niveau du PS ? 6600, 5008, 6000, 5007, 5005. Oh, il y en a un 7000 là. Des gens qui savent conduire ici. Alors moi par contre j'ai très peu de portée, très peu de range, donc faut vraiment que je reste avec mes potes. Waouh. Normal que je vois personne puisque toute l'équipe d'en face s'est fait éclater, ils sont tous ici. Oh là 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 là. On encaisse. Ah oui, ma perte, je suis bête. Oh là là, oh là 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 là. Il reste tout le monde ici, on est 4 V5, je sais pas qui va finir le combat. Allez, allez, ça c'est bon, c'est pour nous. Et ici, il reste le dernier.
Et purée, je me suis tapé toute la... Regardez ça, qu'est-ce qu'il fait? Je me suis tapé toute la partie avec mes mates qui me gênaient. Incroyable. On va pas se plaindre. Voilà, on va laisser nos potes qui se rentrent dedans devant prendre des dégâts. Et nous, on va aller s'occuper du petit malin qui va derrière. Ce sera déjà ça de gagner. Et deux. Ok, on va continuer de rester caché. Vivons heureux, vivant caché. Ah, les armes, les armes. Ouais. On va s'en salement protéger ces armes. Ok, c'est bon. Lui, il est fini. On s'est fait éclater. Nickel. On s'est fait éclatos. Ah, il tourne bien avec ses chenilles. Oh, il est chiant. Oui, il est chiant. Me casse. Ah, bon, de toute façon, on a perdu, hein. C'est sûr et certain. Ouh, il est en feu. Ouh, lui, il avait son canon. Oh, non, mais sérieux? Non, mais... J'ai jamais vu ça dans CrossFit. J'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais été retourné comme ça avec 3 coups de canon. Superbe. D'où il sort lui? Oh là là. En plus il se prend le mur. Yes. First Blood. Ok. Les joueurs sont là. Faut mieux qu'on bouge. Oh lui il est coincé. Profitons-en. Mais c'est Orlando. Quel boulet. Orlando est tout rouge. Pousse-toi joueur. Pousse-toi. On a du boulot. On a du pain sur la planche. Oui lui aussi il est tout rouge. Profitons-en. On lui défonce la cabine. Ouh là là, on fait mal. Faut que j'avance un peu pour avoir ma perte. Ok, ils sont plus que deux. Oh là 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 là. C'est la lutte finale. Oh, secours. Pourquoi moi? J'ai encore toutes mes armes. Profitons-en. Oh là là, comme il me coince, je peux rien faire. J'ai fait des dégâts. Aidez-moi, mais pétez lui sans armes, merci. Oh, les dégâts qu'on lui met, les dégâts, regardez ça. Allez, dégage, MVP. Je trouve que Zéhicule est pas si pire. Et on lui passe ses petits niveaux, gentiment. Dites-moi ce que vous en pensez pour ce 6600 PS avec les 4 perceurs. Je trouve que si on le pilote bien, qu'on reste à bonne distance avec les potes, les 4 de face comme ça, ça fait quand même assez mal. Ils sont un tout petit peu protégés. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Tout est en description si vous voulez que je vous fasse un véhicule sur votre compte. On se retrouve très vite pour la suite sur CrossFit, les amis. Bon jeu à vous, à la prochaine. Laissez un gros pouce bleu parce que ça aide beaucoup la chaîne pour la visibilité et un commentaire pour le référencement. Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur CrossFit. Ciao les amis.